Hé, hey, qu'est-ce que tu fais là, man? Je profite des petites routes de montagne avec ma voiture, rien de plus extrême. Je vais en profiter avec toi, tu m'emmènes. Riding Zone fête ses 10 ans aujourd'hui. Emmène-nous. Ça se passe tout là-haut. Ah oui. On est parti? Riding Zone, c'est parti! Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'anniversaire des 10 ans de Riding Zone. 10 ans de frissons, de sensations fortes, 10 ans de voyages aux quatre coins de la planète en compagnie des plus grands champions, mais aussi 10 ans de records, de défis et de passions qu'on partage avec vous. Et pour fêter cet anniversaire, nous avons invité des personnalités exceptionnelles. Le comédien Thomas Sisley, Alexandra Rosenfeld, Taï Chris, Mathias Dandois, Maxime Muscat et Joe Star nous rejoindront au cours de cette émission. Et croyez-moi, il leur faudra s'armer de courage pour me rejoindre, car je vais les recevoir sur un plateau entre ciel et terre, à plus de 80 mètres au-dessus du sol, entre deux falaises. C'est quoi? Faut aller où là? Vous êtes des malades en fait. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça. Rien qu'à voir comme ça, mais moi j'ai des miquettes. Hein, le plateau. Mais quel plateau? Il n'y a pas de plateau là, c'est de la ficelle. C'est de la cordelette. Une première mondiale à la télévision. Riding Zone, c'est parti tout de suite. Place au sommet. Au programme de cette émission exceptionnelle, nos invités devront surmonter leurs peurs pour relever de nombreux défis. C'est pour combien là que je vais faire? 80 mètres. Et puis vous découvrirez des performances folles réalisées spécialement pour les 10 ans de Riding Zone. Un pompier contre un spécialiste du parcours, un record de vitesse sur l'eau, une course voiture contre moto ou encore une session de ski sur des cailloux. Nous reviendrons aussi sur les exploits les plus impressionnants de ces dernières années avec les meilleurs athlètes des sports extrêmes. Préparez-vous pour les 10 ans de Riding Zone. Tu m'aimes beaucoup? Oui, tiens, t'inquiète pas. Je t'adore. Y'a pas de soucis. On y va. Pénard. Ça y est, je suis sur ce que nous avons baptisé le SpaceNet, notre plateau de télévision suspendu. Une vraie prouesse technique réalisée par les Pyrénalines, des professionnels de la montagne avec qui on collabore très souvent dans Riding Zone. Ils seront avec nous pendant toutes les missions pour assurer notre sécurité. D'ailleurs, je vous présente Polo qui est là à mes côtés. Polo, tu es sûr que je ne risque rien? Alors Tiga, on tient beaucoup à tout le personnel de Riding Zone, notamment à toi. Et on s'est vraiment appliqué, voilà, donc tu peux avoir confiance en ce filet. Pour nous, c'était une première, on est quand même pas mal sortis de notre zone de confort. Et là, c'était l'occasion de, voilà, de se mettre un peu à la couture. À la couture, justement, parce que vous avez tout tressé, voilà. Tout tendu, accroché. Et combien de temps pour cette mise en place? Là, ça fait quand même, je crois que ça fait 10 jours, si on prend en compte le tressage du filet, qu'on est tous les jours au charbon. On est à Florac, là, sur les hauteurs de Florac. Pourquoi ce spot se prête aussi bien à une telle installation?
Alors bah déjà, du coup, pour faire un space net raisonnable, donc c'est-à-dire un filet tendu par plusieurs highlines, il fallait qu'on ait quand même des falaises qui forment une sorte de cirque, voilà, des falaises en vis-à-vis, avec une superbe exposition. On est 500 mètres au-dessus du village, on a une vue sur la Lozère qui est géniale. C'est grandiose. Est-ce que tu sais qu'il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Un coin à préserver. Un coin à préserver. On vous dit tout de suite en images pourquoi. Au cœur d'une nature sauvage, au carrefour entre le mont Lozère, les Cévennes et les Causses, Florac, petite bourgade apparemment tranquille, cache bien son jeu. Florac est une terre d'aventure, de découverte, de dépassement de soi. Ce n'est donc pas un hasard si un escadron de pompiers d'élite siège ici. Le Grimpe, le groupe de reconnaissance et d'intervention au milieu périlleux. Toute l'année, ils viennent de France et du monde entier s'entraîner aux nouvelles techniques de sauvetage en milieu naturel. Le Grimpe intervient dans différents domaines, par exemple tout ce qui est accident de randonnée, tout ce qui est accident via ferrata, au niveau escalade, canyoning. Ils sont à la pointe du sauvetage en milieu naturel difficile et s'intéressent aussi aux nouvelles pratiques des sports extrêmes. Sur ces images, les équipes du Grimpe simulent une intervention. Leur mission, secourir un pratiquant de slackline suspendu au-dessus du vide. Un exercice périlleux. Dans les Cévennes, ils ont trouvé un terrain de jeu idéal. Et aucun doute, avec le Grimpe à proximité, la sécurité de notre émission sera bien assurée. Ah non, mais je fais pas ça du tout, moi. C'est vraiment dingue. Non, mais je ne peux pas faire ça, c'est clair. C'est... Non. T'as déjà utilisé ça ? Pas du tout. Alors, un gris-gris, tu vas l'avoir ici. Ok ? Ouais. Peut-être tu l'as fait tout seul, l'interview, je te préviens. On s'appelle, si elle a des questions à me poser, tu m'appelles et on fera ça de distance, d'accord ? Oh, vous pouvez y aller. Hein. Allez ! Ouais. C'est pas mal, hein ? Non, non. Regarde. De retour à Florac sur notre SpaceNet, le plateau de télévision suspendu à 80 mètres du sol à l'occasion des 10 ans de Riding Zone. Tout de suite, je vous présente mes deux premiers invités. Mathias Dandois, quintuple champion du monde de BMX Flat, est avec nous dans Riding Zone. Mathias, toi, tu es déjà là. Bonjour. Comment ça va ? Bah déjà, bon anniversaire. Merci, merci. Fallait pour nous que tu sois là, évidemment. Et puis tu n'es pas venu tout seul, tu es venu avec ton binôme. Exactement. Maxime Musca. Mon frère de bouclette, Maxime Musca. Exactement. Maxime Musca, il vous a bien fait marrer dans le Palma Show. Il a également relevé de nombreux défis pour Yann Barthès dans le Petit Journal pendant plusieurs années sur Canal+. Coucou Maxime. Coucou Maxime. Tu nous rejoins ? Non, en fait, on va faire l'interview en duplex. Là, je suis venu sur la terre ferme. Et puis, il n'y a pas beaucoup de place là où vous êtes, donc moi, je vais rester là tranquille. Vous m'entendez bien, non ? Ouais, on t'entend bien, oui. Nickel, bon, on va faire comme ça. Hein. Tu penses qu'il peut changer d'avis ou pas ? Ben, je crois qu'il a vraiment méga le vertige. C'est vrai ? Oui. Peut-être que pour les 10 ans de Riding Zone, tu vas faire le pas, tu vas essayer. Ouais, bah, oui. Bah alors, le temps de te convaincre, on va essayer de te convaincre tout de suite dans Riding Zone. Place à notre magnéto, on va revenir en image sur 10 ans d'exploits réalisés dans les airs. De tout temps, l'homme a voulu caresser le rêve d'Icare, voler. Don't believe me, just watch. Ce rêve, des athlètes hors du commun le vivent chaque jour, défiant la gravité, tels les super-héros d'un nouveau comics. Retour sur 10 ans d'exploits dans les airs. 14 octobre 2012, la planète entière a les yeux rivés sur un homme, Félix Baumgartner. Installé dans une capsule accrochée à un ballon d'hélium, l'Autrichien doit atteindre la stratosphère à 39 000 mètres d'altitude. So the decision has been made. Baumgartner will jump. Suffisamment haut pour voir la courbure de la Terre. Son objectif, réaliser une chute libre depuis la stratosphère. Dans sa chute qui dure plus de 4 minutes, Félix Baumgartner dépasse le mur du son. Et il se pose sain et sauf sur le sol du Nouveau-Mexique. Tout aussi fou, voire beaucoup plus, le saut de Luke Aikins d'un avion sans parachute cette fois. Durant les 7 km de chute libre, l'homme est entouré d'une équipe pour assurer sa sécurité en cas de problème. Mais il est seul sur les dernières centaines de mètres.
Heureusement, c'est sans heurts qu'il finit sa chute dans un filet de sécurité de 900 mètres carrés. Géraldine Fasnacht est une figure emblématique du base jump. Elle sait que la pratique est dangereuse, demandant une grande précision. Et encore plus quand certains athlètes frôlent le relief. Pour pouvoir être vraiment très précis en termes de pilotage, il faut déjà énormément de sauts, énormément d'entraînement, bien connaître sa wingsuit, bien connaître ses capacités, puis sentir qu'on est prêt le jour J. C'est vraiment beaucoup entraîné pour pouvoir réaliser ça. Il, c'est l'Italien Uli Emanuele. Son objectif, passer dans ce trou entre deux falaises. C'est équipé de sa combinaison ailée, la wingsuit, qu'il s'élance et atteint une vitesse de 200 km/h pour réussir l'impensable. Malheureusement, Uli Emanuele nous a quittés l'an passé suite à un accident, preuve des dangers de ce sport plus qu'extrême. Et il n'y a pas qu'en pleine nature que les athlètes vivent leur passion à fond. Basé à Dubaï, le parachutiste français Fred Fugain s'entraîne tous les jours pour repousser ses limites et celles de sa discipline. Pour nous, le parachutisme, c'est un kiff, que ce soit de montagne l'été ou pendant des événements particuliers, comme par exemple le Dream Jump qu'on a fait l'année dernière. En 2015, Fred et ses amis se sont régalés pendant une semaine au départ de la troisième plus haute tour de Dubaï. Comme sur ce saut en base jump depuis une tyrolienne géante. Et dernièrement, Fred Fugain et son binôme Vincent Refait ont réalisé en duo une chorégraphie en wingsuit, encore une première mondiale. Allez, on tourne un peu. C'est parfait, mon gars, parfait. Retour sur le SpaceNet et depuis tout à l'heure, on a essayé de convaincre Maxime Musca avec Mathias Dandois. Maxime ! Non, toujours pas, je suis toujours bien là où je suis. Ok, donc t'es décidé à faire l'interview ouais, de loin. C'est bien les duplex, moi j'ai l'habitude, on m'a mis une petite oreillette là, c'est bon, on est calé, on peut la faire. Bon, Mathias, est-ce que tu peux me présenter votre team, votre binôme, les Bouclettes Brothers? C'est vraiment un projet de copain. J'ai rencontré Max sur un événement il y a un peu moins d'un an. Et direct, il y a eu un hyper bon feeling. Et lui, il fait des vidéos depuis hyper longtemps. Et moi, je fais des vidéos depuis hyper longtemps, mais plus en BMX. Et on a décidé de un peu mixer nos deux univers, de mettre ça dans une espèce de grande saladière, de secouer et paf. Hey, oh putain, j'ai eu la boule au ventre depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a motivé à suivre Mathias? En fait, on passe un peu toute notre vie ensemble et comme il faut faire des vidéos de temps en temps, on les fait ensemble maintenant, quoi. Mais là, pour l'instant, c'est lui qui m'a fait découvrir son univers. Il est encore en train de le faire là, mais bientôt, on va un peu échanger les rôles parce que ça suffit là. L'adrénaline, j'en ai pris pour toute ma vie, je crois, en à peu près un mois. Voilà. Maxime, tu as essayé énormément de sports, donc oui. Depuis que vous avez commencé oui, sports qui font pas peur. Votre chaîne. Est-ce qu'il y en a un qui t'a plu plus que les autres? Est-ce que tu as trouvé ton sport? En fait, en vrai, on a fait de la chute libre à Marseille et j'ai adoré le moment de la chute libre. Mais tout ce qui est avant, en fait, ça m'a vraiment, vraiment fait stresser. Mais à partir du moment où on était dans les airs et qu'on va à 200 km dans le vide, j'ai pris un des meilleurs moments de ma vie, quoi. C'est trop bien! Mais c'est putain de trop bien! Il est vraiment courageux, Maxime. Je lui ai fait tester plein de trucs. À chaque fois, il dit non au début et il se motive trop, il le fait. Donc, ça fait plaisir, quoi. Bah écoute, ça tombe bien, justement, pour les 10 ans de Riding Zone, on vous lance des défis. Et vous avez relevé ce matin l'un des défis les plus difficiles de notre liste. Voilà ce que ça donne. Mathias Dandois et Maxime Musca. Nos deux premiers sauteurs débarquent sur le site. À deux pas de notre plateau de télé, un saut pendulaire géant les attend. Tu veux y aller en premier ou j'y vais en premier? Non, tu vas y aller en premier et moi on verra si j'y vais après. J'ai un peu peur, tu vois, de tout ce qui est se jeter dans le vide. Viens, on va s'équiper. Pas rassuré pour un clou, Maxime est plus que réticent, alors que Mathias, le rider, fait encore bonne figure. Lequel de vous deux saute le premier? Lui, c'est lui, c'est lui, c'est un vaillant, alors hop là.
mettez un truc pour me retenir, non? Je vais pas sauter comme ça. Non, bah non. C'est mieux, quoi. C'est mieux. Ça dépend, t'as une capuche. Oh, la petite. Notre équipe d'experts leur fait enfiler les harnais obligatoires autour du précipice. C'est léger comme système, je trouve. Hein. Il a l'air plus costaud, le sien. Hein. Ça semble léger, mais ça tient à des très grosses chutes plus importantes que ce qu'on va faire là. Là, c'est une grosse chute libre, mais finalement, il y a tellement de longueur de corde qui amortit la chute que c'est très très doux. Quoi. Je suis super rassuré là. Vous savez tout doux alors. T'inquiète pas. On va te jeter dans le vide. Je ne suis pas inquiet. Là, dans ma tête, il n'y a aucun problème. 100 mètres de chute libre depuis la falaise. L'équipe donne les derniers conseils. Tu nous fais un beau décompte. 3, 2, 1. Petit appui sur 45 degrés, tu lèves les bras et tu regardes l'horizon et détendu, tu te laisses chuter. 3. 2, 1. Voilà. Allez, c'est la bon, je suis petite prêt. Impulsion. Super. Mais plus facile à dire qu'à faire. Cette petite impulsion à 45 degrés demande un mental d'acier. Allez, c'est parti. Accroche-moi l'élastique, ouais, c'est mieux. Oh putain, ça me... Merci. C'est bon pour tout le monde? Ouais. 3, 2, 1. Ok, attends, je refais un écran, désolé. 3, 2, 1. Ah, putain, il a fait le saut. Il est parti, il est parti. Il est où, mon copain? Il est passé où, mon copain? C'était énorme. Ça fait méga flipper. Pourtant habitué aux sensations fortes, le champion de BMX a dû se mettre en condition pour réussir à sauter. Je me suis dit, vas-y, t'y vas, de toute façon t'as accroché. En fait, tu fais 3, 2, 1 et 1, mon cerveau il a fait, mais t'es complètement débile, toi. Et tu sais, genre vraiment, ton cerveau il parle de quoi? Il fait, non, fais pas ça. Et après, j'ai fait, merde. Et là, en fait, quand tu pars en avant, c'est hyper pas naturel, tu sais, de se laisser tomber. Et ça, c'est le moment chiant. Et en fait, après, quand tu pousses les pieds, et là, tu commences à prendre la vitesse, ça, c'est trop bon, quoi. Mortel, franchement. Ouais. N'importe qui. Cool, ça, qui fait. Ah ouais, c'est ouf. Autour du saut, l'ambiance est électrique et achève finalement de convaincre Maxime. Accroche-toi, merde. Je suis pas votre clown, ok? Je suis pas ton clown, Mathias. Mets un nez rouge, fais ce que tu veux, t'as pas besoin de moi pour faire des blagues. Ouais, c'est ça, fais-moi un câlin, ouais. Fais-moi un câlin. Maxime est enfin équipé. Solidement arrimé aux cordes de saut, il va tenter de s'élancer. Avec un vertige terrible, c'est à reculons que Maxime s'apprête à relever son challenge. Putain, je vais pas le faire, putain, je me chie dessus. C'est bon ou pas? Maxime a réussi à surmonter ses peurs en faisant le grand saut dans le vide. Bourré d'adrénaline, il pense que le plus dur est passé. Ah, oh, ce saut de fou, quoi. Ah, oh, c'était dingue. Mais une autre épreuve l'attend au bout du saut, la désescalade, qui est loin d'être un jeu d'enfant. T'as la pointe sur la main. Avec cette main, tu peux pas tomber. Et là, à partir de là, t'es pas mal. Faire attention à pas glisser, juste. Oui. Impec, bien joué, gros. C'est ça le plus flippant, quoi. Mais si vous m'aviez dit qu'il y avait ce truc-là, après le saut, je serais jamais descendu, hein. J'aurais jamais sauté, les gars. Et je pensais vraiment que j'allais pas le faire. Genre, au dernier moment, je crois que mon cerveau m'a dit non, tu ne vas jamais faire ce truc-là. Et après, j'ai fait ce qu'ils m'ont dit, j'ai oublié de réfléchir, et j'ai fait un, deux, trois, et j'ai pris des sensations de ouf. Mais c'était vraiment génial. Vraiment, vraiment génial. Merci beaucoup, c'était trop bien. Mais je referai jamais ça de ma vie, hein. Vous êtes fous, hein. Ah, si j'ai envie de le refaire.
Ah, oh, j'hésite. Oh, je suis perdu. Original feels like Penta. Maxime Musca, ça va? Coucou, ouais, ouais. Mathias Dandois, ça va? Coucou. Bon, les garçons, on vient de voir les images de votre saut pendulaire. Qu'est-ce qu'on en pense là? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, dans votre corps? Eh ben moi, en fait, donc le mec me dit, tu te mets sur la pointe des pieds, tu te laisses tomber en avant à 45 degrés, à ce moment-là, tu pousses. Et ils me disent, tu dis 3, 2, 1 et t'y vas. Et ben là, moi, j'ai dit 3, 2, 1. J'ai commencé à me laisser tomber en avant et là, mon cerveau, il a fait... Non, tu ne fais pas ça, en fait. Et du coup, j'ai fait, oh non. Et après, en fait, c'est dingue, mais il faut convaincre son cerveau qu'il ne veut pas aller, qu'il se met vraiment en mode instinct de survie. Et là, il faut lui dire que t'inquiète, tout va bien se passer. Donc là, tu as une conversation un peu intime avec ton cerveau. Non, mais vraiment en mode, t'inquiète pas, loulou. Et là, bim, du coup, 3, 2, 1. Et là, j'y suis allé. Et c'était un des moments les plus intenses de ma vie. Et toi, Maxime, comment ça s'est passé? Oh là là. Bah, en fait, vraiment, moi, franchement, depuis que je suis arrivé, je pensais que je le faisais pas. Ouais. Et en fait, le fait de voir Mathias le faire et qu'il m'en parle... Mais en montant sur le truc, là, mes jambes se sont mises à trembler et je pensais vraiment, mais vraiment pas le faire, quoi. Oh my God. Mais encore une fois, Mathias, il m'a parlé. Je sais pas ce que tu m'as dit, Mathias, mais ça m'a. Mais si, c'est toi. Tu m'as motivé, mon pote. Non, et puis on m'a donné la main aussi. Et après, j'ai essayé de pas réfléchir et de me dire, allez, vas-y, balance-toi et puis on verra. Et je crois que j'ai dit beaucoup de gros mots et du coup je voudrais m'excuser auprès de ma maman. Je crois qu'à la fin j'ai un peu dit des gros mots, mais vraiment c'était trop trop bien quoi. Est-ce que ça c'est là quelque chose que vous referiez sans problème? Ah ouais, moi je suis trop. Ouais, dans 10 ans. Dans 10 ans, c'est ça qu'on dit hein. Pour les 20 ans. Ouais, pour les 20 ans, je reviens, ouais. Bon, en tout cas, bravo hein. Bah merci. Bravo. Hein. Allez garçons, tout de suite on reste ensemble. En 10 ans, Riding Zone vous a fait vivre les plus grands moments des sports extrêmes. Et nous vous avons fait découvrir aussi de jeunes talents devenus aujourd'hui des stars planétaires dans leur discipline, comme par exemple Mathias Dandois. Et oui, ils ont bien grandi, la preuve en images. Il y a 10 ans, Riding Zone voyait le jour. Durant cette décennie de reportages et de rencontres, nous vous avons présenté beaucoup de jeunes riders, parfois devenus des champions aujourd'hui. Retour sur les plus grandes success stories de ces 10 dernières années. Focus maintenant sur la star montante du surf français, Jérémy Florès. En 2007, Jérémy Florès devient le plus jeune surfeur de l'histoire à se qualifier sur le championnat du monde de surf. Au cours de sa carrière, il remportera quelques prestigieux trophées, notamment sur les puissantes vagues d'Hawaï et de Tahiti. Autre champion, autre surdoué. Salut à tous, je me présente Thomas Pagès, 22 ans. En quelques années, Tom Pagès est devenu incontestablement le meilleur pilote de FMX du monde. Son éventail de figures est impressionnant et apparemment, il n'a pas fini de nous surprendre. J'ai tellement de choses à faire, à montrer que des fois je m'énerve. À en croire ces images, depuis tout petit, Aurélien Giraud sait qu'il veut devenir skateur professionnel. En 2013, il mettait déjà tout le monde d'accord durant les championnats de France de skate. Je vois que là, je suis en train de poser des questions et il y a tout le monde qui se met autour. Et tout ça te fait quoi d'être quand même un exemple pour tous les autres de skater, un skateur qui donne envie quoi? Bah, ça fait toujours plaisir parce qu'on se sent bien et plus à l'aise parce que quand les gens, surtout quand ils sont plus gentils avec nous. Et sa carrière décolle enfin en 2015 lorsqu'il devient en Floride le meilleur skateur amateur du monde. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, mais c'est chambé quoi, du coup. Enfin, c'est-à-dire que je pourrais sûrement passer pro un jour dans ma vie quoi. À 18 ans, il marque les esprits de la communauté sur le mythique spot espagnol de Macba en réalisant un hard flip, un trick très engagé en skate. Autre graine de champion. Il est jeune, il est beau et bourré de talent. Mathias Dandois. Vous voulez voir un dernier trick? Pendant des années, il enchaîne les démos à la rencontre de son public jusqu'à remporter à 18 ans son premier titre mondial en BMX flat. Un titre qui ne lui monte pas à la tête. Il n'y a pas d'avenir à faire ça, c'est juste un truc que j'adore faire. Sinon, j'ai envie d'avoir ma licence d'anglais pour faire de la traduction dans les médias. Et de la fac, aujourd'hui n'en est plus question. Il est considéré comme une véritable légende dans le BMX avec 5 titres de champion du monde. En parallèle, il est aussi devenu jury pour l'émission Talent Street.
J'ai hâte de voir tous ces jeunes talents se reproduire, non, se représenter. Et youtubeur avec Maxime Muscat. La dernière fois que tu choisis un sujet de vidéo, d'accord ? Autre champion, Kevin Roland. Il y a 10 ans, le jeune skieur participait pour la première fois aux X Games aux États-Unis. Un vrai rêve. Pretty exciting. C'est seulement 3 ans après qu'il décroche la médaille d'or. Yes ! À la terre ! Puis les années ont passé, la barbe a poussé. Et il doit attendre 2016 pour décrocher une nouvelle fois l'or. Une véritable consécration. Et l'histoire continue, car elles sont nombreuses les graines de champions mises en avant dans Riding Zone. Du haut de ses 15 ans, Tess Ledeux est le futur du ski français. Elle a déjà remporté une médaille d'argent aux X Games. Les jeunes frères Mio dominent le championnat de France de course sur sable. Et Noah Dupouille est bien décidé à faire carrière aux États-Unis. I'm ready to go in California. Ces prochaines années, ils vont sans doute écrire l'histoire de nos sports et ce sera à suivre dans Riding Zone. N'est-ce pas, Mathias? Mathias, on vient de le voir, t'as bien changé. Non, moi je trouve pas. Je trouve que t'as pas beaucoup changé, Mathias. Hein. Toujours on un petit enfant. Hein. Entre-temps, t'es devenu un grand champion. Ouais. Qu'est-ce qui a changé d'après toi? Pour moi, ce qui a changé, c'est quand je dis dans l'interview que je ne vivrai jamais du BMX et je veux faire traducteur parce que je faisais une fac d'anglais, bah, ça me fait rigoler quand je vois ça maintenant. J'ai trop de chance de vivre du BMX et de pouvoir voyager, de faire ma passion tous les jours. Ça fait trop plaisir. Merci à tous les deux. Ouais, merci à vous de nous avoir reçus. Ça fait trop plaisir d'être là pour votre anniversaire. À dans 10 ans. Gros bisous. C'est la dernière chance d'essayer. Non, ça ira. Moi, je vais manger le gâteau. Il est là-bas. Ouais, j'en garde une petite part. Hein. À bientôt, Mathias. Merci beaucoup, Tiga. Gros bisous. Maintenant, vous allez voir que les sports extrêmes ne sont pas que des frissons et des gros sauts. Il peut aussi y avoir de l'humour. La preuve avec le champion de VTT trial, Aurélien Fontenoy, qui a souhaité piéger les gens à travers une caméra cachée. Je ne vous en dis pas plus. Regardez. Cet homme qui va faire du shopping n'est pas un client ordinaire. Si aujourd'hui vous vous dites je vais aller à l'Alpe d'Huez avec ça, par exemple. Ouais. Non, je pourrais pas. Ouais. Si, vous allez pouvoir. Ah ouais, bon, par voilà. Contre, je vous garantis pas la descente. Ce client pas comme les autres, c'est Aurélien Fontenoy. Sa spécialité, c'est le VTT dont il est quadruple champion du monde de trial. Toujours en quête de nouveaux défis, il a accepté de participer à une caméra cachée. Aurélien doit piéger les vendeurs d'une enseigne de distribution d'articles de sport. Sa mission, tenter de convaincre un vendeur de lui vendre un simple vélo de loisir pour faire l'une des disciplines les plus extrêmes du VTT, la descente. Il va jouer le client qui n'y connaît rien et qui n'en fait qu'à sa tête, avec une complice, l'une des vendeuses du magasin, Jenny. Elle nous a aidé à choisir nos cibles. J'ai pensé tout de suite à Marco. Il est passionné par le vélo, passionné par le client surtout. Et Johan, c'est quelqu'un de très, très, très patient. Vraiment beaucoup plus que Marco. C'est parti, Aurélien entre en action. Et le mieux pour les pistes de descente, ça serait quoi du coup? Ouais, ils sont bien flashy ça. Ouais. Parce qu'en fait, je veux faire après des vidéos sur YouTube et tout, faire des wheelings, des choses comme ça quoi, pour impressionner ma copine. Vraiment, ces vélos-là, ils sont pas faits pour cet usage-là. Ah ouais. Genre avec un comme ça, non? On peut pas faire un... Si, on peut. C'est... Mais une fois. Tranquille, ouais. Ça, c'est vraiment du VTT. Balade, loisir. Ouais. Le but, c'est de prendre un produit adapté à votre usage. Ouais, mais celui-là, il peut être polyvalent, quoi. Hein, là, partout. Pour la descente? On peut essayer, non? Non, pour aller faire de la descente avec, si je change les roues. Non, je vous ai dit, ce vélo-là, non, est pas adapté à la pratique freeride. Moi, je vous considère comme un ami, hein. Je vous dirais franchement, je peux pas vous laisser partir avec ça. Ah ouais? Tu peux faire un tour de... oui, dans le rayon? Un petit tour, ouais. Bon, je maîtrise à peu près. Hein. Wow. Bah écoute, j'étais content de le connaître. Hein. C'est dommage, on va pas pouvoir profiter de lui bien longtemps parce que ce rythme-là va se tuer cet après-midi. Ah, vous pouvez me pousser un petit peu, c'est le début qui est un peu délicat pour moi. Bon, bah, ça va pas mal. On va essayer le virage. Oula, comment on freine par contre? Ah, olé, pardon. Bah, le client là, c'est un sketch. C'est passé quoi? Il sait pas faire du vélo. C'est un problème. Je fais, c'est pas prévu pour. Il me fait, mais j'y vais demain. Je fais, non, je fais pas du vélo avec un 340. Bon, bah, c'est pas mal, non? Donc moi, je vous dis, ce vélo-là, c'est pas fait pour du freeride. Ne faites pas de freeride avec ça. D'accord. Bon, ça freine bien, en tout cas. Hein. Ah ouais. Moi, je pourrais m'arrêter, quoi. Non? Vous allez vous arrêter. Parce que c'est après avoir exaspéré les vendeurs piégés, Aurélien prépare son coup. Je peux refaire un tour avec celui-là? Allez-y, ouais, si vous sentez serein dessus. J'en ai trouvé un. C'est bon, celui-là, non? C'est bon, celui-là. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème sur tes vélos, non? Je me sens serein finalement. Oh là là!
Ah ouais, mais il est génial ce vélo. Yes. C'était une caméra cachée. Regarde. Là. Là-bas. Et bien joué. T'as été patient. Bravo les gars, vous m'avez bien eu. Chapeau à vous. Ouais. Chapeau à vous. Ouais. Elle aussi, elle était complice. D'accord. Je suis désolée. Ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir. Ouais. Franchement, tu m'as inquiété parce que à un moment donné... Tu veux pas me coacher? C'était sympa en tout cas de me pousser. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Partir, j'ai fait. C'est la première fois que je suis piégé, mais non, c'était sympa à vivre. Mais en tout cas, bien joué les gars. Mmh. Cool. Une caméra cachée qui se termine dans la bonne humeur avec une petite démonstration de notre champion. Arrivez sur France O, soyez les bienvenus. Vous regardez l'émission anniversaire des 10 ans de Riding Zone, le seul magazine sur la TNT consacré aux sports extrêmes et à leurs héros. Pour fêter ça, on a eu envie de prendre de la hauteur. Et nous voilà entre deux falaises, à plus de 80 mètres de haut dans les Cévennes. Avant de recevoir Thomas Sisley, Ty Chris ou encore Joe Star, partons direction la Belgique pour une nouvelle performance inédite, une course décoiffante entre moto et voiture. Près de Liège en Belgique se trouve une autoroute pas comme les autres, interdite d'accès et laissée à l'abandon. Ici, la nature a en partie repris ses droits. Seuls s'y rendent de façon illégale les pilotes en quête de sensations. Pour ces 10 ans, Riding Zone a eu l'autorisation de s'y installer. Nous avons réuni deux pilotes d'exception pour une performance rugissante. Mike Hoffman, j'ai 28 ans, je roule avec cette caisse, donc je fais du drift. Le drift est une technique de pilotage qui consiste à contrôler sa voiture tout en dérapant. Depuis quelques années, avec son bolide de 550 chevaux, Mike enchaîne les podiums en Europe. Romain Gendreau, j'ai 27 ans et je fais du stunt, plus précisément de l'acrobatie moto. Romain Gendreau est l'un des meilleurs pilotes de stunt français. Le but de cette discipline acrobatique, enchaîner des figures sur une moto boostée de 130 chevaux et 200 kilos. Les présentations sont faites, Romain et Mike ont l'autoroute pour eux, ils vont pouvoir relever le challenge de Riding Zone. Leur défi, exploser le plus vite possible 5 des 10 ballons disposés sur la route pour nos 10 ans. Ils s'élanceront l'un après l'autre, 5 ballons chacun et un seul juge, le chronomètre. Alors on a quelques différences, c'est que lui il a deux roues, moi en 4 roues. Lui, pour lui, ça va être un peu plus technique, je pense, parce que c'est petit. Moi, par contre, voilà, j'ai une grosse voiture, donc pas beaucoup de place. Bah, les difficultés qu'il va y avoir, c'est que le revêtement n'est pas super top. On a pas mal de mousse verte, des lignes blanches, d'aspérités. Ça va être compliqué pour vraiment garder son drift, garder une adhérence, on va dire. Il se débrouille super bien, là il a fait ça avec style et il a réussi à avoir tout nickel d'un coup, donc ça met un peu la pression. Je sais que Mike a été vraiment rapide. J'ai été rapide, ouais, ça me le dit souvent. Toi, t'étais plus artistique, je pense, quand même.
Est-ce qu'il y avait une note qui comptait dedans aussi? Je sais pas. Mais ouais, c'était intéressant, c'était assez technique, c'était assez aussi marrant, je pense, pour tous les deux. Défi réussi. Merci Riding Zone. Et joyeux anniversaire! Les membres de la team des Pyrénalines sont en train d'équiper ma prochaine invitée. Oh mon dieu. Allez, vas-y. Alexandra Rosenfeld a été élue Miss Languedoc 2005 avant de remporter le titre de Miss France 2006 et ensuite celui de Miss Europe 2006. Pendant la préparation de cette émission, Alexandra m'a confié qu'elle avait très peur du vide. Alors, le temps pour elle de se décider à me rejoindre ici sur le SpaceNet, je vous propose qu'on parte ensemble en voyage. La passion de la glisse est l'un des meilleurs moyens pour découvrir de nouvelles frontières et de nouveaux paysages. En effet, quel que soit leur sport, les riders sont toujours en quête de nouveaux terrains de jeu à défricher. Regardez. Et si on disait adieu au train-train quotidien, le temps d'un voyage à l'autre bout du monde? Faire des rencontres, fabriquer des souvenirs, sortir des sentiers battus et faire face à l'inconnu. En 10 ans de Riding Zone, nous vous avons fait vivre d'incroyables voyages, des aventures uniques menées par ces explorateurs des temps modernes, parcourant des milliers de kilomètres pour atteindre leur but. Erwan, téméraire surfeur breton, est en quête de nouvelles vagues encore jamais surfées à Madagascar ou en Papouasie. De folles aventures avec souvent de succulentes surprises. Et voilà, une bonne brochette de larves. Et parfois, quelques mésaventures sur la route. Montre-moi ce que c'est. Wow. Ah ouais. Et il faut être déterminé pour faire face aux imprévus. Stan et Polo espèrent traverser en kitesurf le miroir de Dieu, un désert de sel en Bolivie qui, lors de la saison des pluies, se couvre d'une fine pellicule d'eau, si bien sûr il pleut. Soit on joue vraiment de malchance et il n'y a pas de pluie, soit les choses restent comme elles devraient être et on aura tout ce qu'il faut. Ces expéditions sont parfois préparées pendant des années, comme celle d'Anthony, surfeur aventurier, à la recherche d'une vague de rivière en Birmanie. Une vague qui ne se matérialise que dans des conditions bien particulières. La quête, elle est multiple. C'est essayer de trouver un serpent de mer, un monstre caché au fond de la rivière. Et puis il y a cette quête, l'envie de vivre encore plus fort grâce à la glisse. Sur le tarmac d'un petit aérodrome de Nouvelle-Calédonie, les champions du monde de chute libre, Sébastien et Jim, sont enfin prêts à découvrir comme personne ce joyau du Pacifique. Les plages de malades, le sable blanc à perte de vue. Ah, oh, ça va être puissant. Au bout de leur périple, nos aventuriers explorateurs peuvent enfin profiter de ces moments d'osmose avec les éléments. Des bribes de vie qui resteront sans aucun doute gravées dans leur mémoire. Bien joué mon polo, putain. On l'a fait quand même. Voilà, c'est la conclusion d'une belle aventure. L'expédition est validée. Et a priori, on est premier, mais après, on n'est jamais sûr à 100% parce qu'il peut toujours y avoir un gars qui est arrivé avant Facebook, avant les réseaux sociaux, avant Internet, j'en sais rien. Ah, ça, c'est le meilleur saut de ma vie, les gars. Regarde, j'ai fait du thé, il y a des petits gâteaux, ils sortent du four. Derrière, tout doux pour l'aider à avancer un tout petit peu. Tout doux, hein? Ah ouais, mais centimètre par centimètre. Ah oh. Mais vous savez que j'ai jamais été aussi près du bord de ma vie, hein, quand même. J'étais très fort, hein. Mais non. C'est rien. On va peut-être faire remonter Tiga, je sais Tiga. Pas. Tiga? Ouais, ma poulette, franchement. Retour à Florac pour l'anniversaire des 10 ans de Riding Zone. La reine de beauté, Alexandra Rosenfeld, nous a fait le cadeau de sa présence pour fêter cet anniversaire. Comment vas-tu, Alex? Ça va très bien, et toi? Ouh, je vais super bien.
Tu as eu peur là, hein? Non, là, je pleurais et je tremblais et c'était pas du froid, c'était vraiment de l'émotion. C'était. Je suis quand même fière de moi de m'être approchée autant parce que j'ai vraiment le vertige. Justement. Et je pense que je pourrais pas faire plus. C'est quand la dernière fois que tu t'es rapprochée aussi près du bord quand même? On est très très haut là, hein. On est à 100 mètres. Hein. Je me suis jamais approchée d'aussi près. Bon alors c'est vrai que t'as pas osé te lancer dans le vide, là, faire de la tyrolienne pour me rejoindre sur le SpaceNet, mais déjà, on t'a lancé un défi que tu as accepté, c'était de faire du canyoning dans les gorges du Tapoul. Tu l'as accepté, est-ce que tu l'as réalisé? On va pas le dire tout de suite, on va découvrir tout de suite les images et on en parle après. Ok. Les Cévennes abritent de longues rivières et des canyons comme celui du Tapoul. On va faire du canyoning. On n'a pas peur, on n'a pas froid et c'est cool. C'est un canyon ludique, saut, okay. Si on veut. Hein, okay. Si on veut. Il y a des sauts, il y a des toboggans. À combien, l'eau? Fraîche. Ok. 10-12. Bon. Ouais. Pourtant frileuse, Alexandra Rosenfeld a accepté de se mouiller pour nos 10 ans. Juste le temps de se mettre dans le bain. Et elle va devoir affronter des sauts de plusieurs mètres. Alors, en fait, ça fait un V, il faut sauter au milieu, tout simplement. C'est une première pour notre ancienne Miss France, qui est sujette au vertige. Après ses premiers sauts, une nouvelle épreuve, ramper sous les rochers. Le périple continue et c'est déjà un autre défi pour notre ex-Miss France, une descente en rappel. J'aurais dû me faire sauter. C'est normal. C'est pas tous les jours que tu fais ça. Je veux pas. Nouvelle difficulté, une tyrolienne à flanc de rocher. Les gorges du Tapoul donnent à Alexandra une chance de surmonter ses peurs et de vivre des sensations aussi fraîches qu'inédites. Là, c'est une vision d'horreur. Hein? C'est bien d'accord. Là, c'est tenu. Hein? Là, c'est tenu. T'as tenu, hein? Ouais, ouais, c'est tenu. Allez, je t'attends. C'est bon? Voilà. Enfin, le calme reprend. Encore quelques brasses et notre ancienne Miss France pourra se remettre de ses émotions. Nous sommes de retour sur les hauteurs de Florac, à 1000 mètres d'altitude, en compagnie de notre invitée pour cet anniversaire des 10 ans de Riding Zone, Alexandra Rosenfeld. Alexandra, on vient de voir les images de ton expérience en canyoning. Raconte-nous. C'était génial, j'avais un prof super. C'était que du bonheur, il ne mettait absolument pas la pression. On a beaucoup ri, j'ai vraiment apprécié. J'ai peur de sauter à 2 mètres, donc c'est pas habituel sur l'émission. Mais en attendant, c'est une petite fierté personnelle. Est-ce que tu as déjà entendu parler du parcours? Non. Le film des Yamakasi, ça te dit quelque chose? Oui, ben voilà. Ceux qui pratiquent ce sport, on les appelle les traceurs. Alors a priori, rien n'est censé les arrêter en zone urbaine. Mais nous, Riding Zone, on a voulu les tester. On voulait savoir quand même quelles étaient leurs limites et s'ils en avaient. Alors on a rencontré l'un des meilleurs traceurs de la planète et on lui a lancé un défi. Celui de se mesurer à un pompier d'élite qui lui-même participe à des courses d'obstacles au niveau international. Alors partons tout de suite direction Lyon pour un duel au sommet traceur contre pompier. Sur cet incroyable parcours d'obstacles, le Barjo Extrême, deux hommes vont s'affronter dans quelques minutes en un contre un. Qui sera le plus vif, le plus fort et le plus agile? C'est parti pour le duel. Bonjour, je m'appelle Johan Leroux, je suis freerunner professionnel. Johan est une légende du parcours. Son terrain de prédilection, les toits de Paris, et il n'a peur de rien. Mathieu est un pompier pas comme les autres. Il est champion de France de parcours à obstacles en format court. Il s'entraîne tout au long de l'année sur le terrain que nous allons découvrir. J'accueille sur mon terrain Johan Zéphir. On est parti.
Je vais te faire découvrir. Allez, c'est parti. C'est parti. On y va. Donc là, le premier obstacle, c'est une palissade classique. Donc je pense que là, pour toi, ça va aller, non? C'est pas trop... C'est bon? Ouais. Ça devrait le faire. S'ensuit la guillotine à traverser. Johan semble à l'aise jusqu'à cet obstacle un peu particulier. Merde, c'est quoi ça? Ça, c'est une sangle par-dessus laquelle il faudra passer. Puis s'ensuit un monkey bar. Johan commence à avoir quelques inquiétudes. On va dire les petites difficultés, c'est que ça glisse énormément. Bien que Mathieu ait un léger avantage... Le terrain, je le connais, c'est un des avantages que je peux avoir par rapport à Johan. Le parcours a été modifié, notamment avec cette araignée, un obstacle inédit pour l'occasion. Le repérage est terminé, Johan et Mathieu devront faire face à pas moins de 17 obstacles. Et ce franchissement devrait réserver quelques surprises. Allez. On s'y met. On va s'y mettre, on va en chier. C'est parti pour la course. Johan, muni de sa caméra embarquée accrochée à la bouche, prend la tête. Mathieu est un peu moins rapide. Johan, lui, passe avec succès l'épreuve de la sangle. Mathieu se précipite, mais il la rate. Deuxième essai, et c'est réussi. Johan a déjà pris le large, il passe sans mal l'araignée. Rien ne semble l'arrêter. Mathieu, lui, est toujours en retard. Johan prend son élan pour franchir cet obstacle, mais il chute. C'est un vrai revirement de situation. Mathieu profite de l'erreur de Johan, il franchit l'obstacle de manière classique et il prend la tête de la course. Johan semble s'obstiner et il réessaye le grand saut. Ça ne passe toujours pas. Moi, je suis bloqué là. Mathieu reste concentré, il s'envole pour la victoire. Johan décide enfin de passer l'obstacle de façon classique. Dernier franchissement pour Mathieu, la palissade de 3 mètres. Il arrive enfin au tronc d'arbre et décroche le drapeau de la victoire. Alors qu'il dominait toute la première moitié de la course, Johan termine dernier. Mais il n'a pas perdu le respect de Mathieu. J'ai eu de la chance qu'il glisse sur l'un des obstacles. Tout se passe bien jusqu'à... la moitié, et l'endroit où j'avais visualisé un saut qui était censé me faire gagner du temps, mais qui était assez stratégiquement dangereux, je l'ai raté et j'ai essayé de le refaire plusieurs fois, ça n'a pas marché. Très fier qu'il ait réussi à choper justement mon moment de faiblesse, et c'est parfait, c'est ça le sport et les athlètes. Très content en tout cas. Nous sommes de retour à Florac, dans le parc national des Cévennes, toujours avec Alexandra Rosenfeld. Alexandra, est-ce que tu peux revenir sur cette expérience de Miss France et Miss Europe? Écoute, Miss France, c'était il y a 12 ans. C'était une très belle expérience, tu le sais. Nous, on était de l'époque de Geneviève, donc c'était quelque chose de fort. Oui. C'était génial. Franchement, ça permet de... C'est une belle ouverture d'esprit, ça permet de voyager, ça permet aussi de garder les pieds sur terre, parce que tu peux être un jour à l'autre bout du monde avec un ministre et le lendemain faire des dédicaces au supermarché du coin. Et en fait, ça, c'est top, parce que ça te laisse les pieds sur terre et ça te permet de savoir d'où tu viens et de rester tranquille. Alexandra, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venue nous voir pour cet anniversaire. C'était un bonheur de t'avoir. Merci à toi. Je suis heureuse parce qu'on t'a fait vivre des choses. C'est clair. On n'oubliera pas. Moi non plus, je n'oublierai pas. Écoute, je te propose tout de suite qu'on découvre notre reportage 10 ans d'exploit dans l'eau. Les surfeurs ont toujours eu une place très importante dans Riding Zone et ces dernières années, ils n'ont cessé de repousser les limites de leur sport en surfant des vagues toujours plus grosses et toujours plus puissantes. Retour en images sur leurs meilleures performances. Aussi dangereux soit l'océan, l'homme a de tout temps affronté cet élément naturel incontrôlable. Wow. Les navigateurs-explorateurs ont laissé place aux surfeurs et c'est désormais la plus grande vague du monde que l'on chasse. En Australie, sur la vague mutante appelée Z-Right. À Tahiti, sur la puissante Teahupo. Ou bien encore à Hawaï. Nous sommes en plein hiver, sur le spot de Jaws, la mâchoire, où les vagues dépassent régulièrement la dizaine de mètres de haut. Ce jour-là, le local hawaïen Kaileni se lance sur la bête et réalise un air invraisemblable sur une vague de cette taille. Une prouesse risquée. Deux
Le surf de gros, ça ne s'improvise pas. C'est pas comme si vous vous réveillez un matin et vous vous disiez « Tiens, j'irais bien surfer la plus grosse vague du monde ». C'est plutôt des années et des années d'entraînement. Et pour surfer la plus grande vague connue à ce jour, il faut aller au Portugal, à Nazaré. Sous l'objectif des photographes agglutinés sur la falaise, les surfeurs se lancent au péril de leur vie. En 2014, le Français Benjamin Sanchis part sur une vague d'une taille phénoménale, mais il chute et frôle la mort de peu. Si j'avais réussi à aller jusqu'en bas de la vague, c'est sûr que la mousse, elle m'aurait prise. Et si elle me prend là, elle me garde au fond, mais direct pendant longtemps. Et si j'étais resté à l'impact de la deuxième, je pense franchement que ça n'aurait pas été cool, quoi. C'est au final Gareth McNamara qui aura raison de cette montagne d'eau. L'Américain affronte le monstre et établit ainsi le nouveau record du monde officiel de la plus grande vague jamais surfée, 30 mètres, soit la hauteur d'un bâtiment de 10 étages. Autre discipline, autre performance. L'apnéiste français Guillaume Néry s'essaye à la chute libre sous-marine en plein océan. Cette cavité, surnommée le Dean's Blue Hole, elle est située dans la baie ouest des Bahamas, profondeur 202 mètres. Avec cette vidéo, véritable performance artistique, Guillaume Néry nous montre que les champions de l'extrême réalisent des exploits qui dépassent le simple cadre sportif. On est de retour dans les montagnes rocheuses des Cévennes en compagnie de Thomer Sisley. Thomer, comment ça va ? Ça va super. Thomer, je me demande si tu as encore peur de quelque chose. De quoi as-tu peur ? Non, attends, mais je suis pas une tête brûlée. J'ai le vertige, par exemple. Incroyable. Tu vois ? Donc là, en dessous de nous, là, il y a une Via Ferrata. Je ne sais pas si vous la voyez là, mais si tu t'approches un petit peu, tu vas voir que là, tu as une petite échelle comme ça sur laquelle tu peux marcher. Moi, tu me mets là-dessus, vraiment, j'ai peur. Je suis claustro, par exemple. Je suis vraiment claustro. Donc, tu me fais passer dans un endroit très, très étroit, je suis pas à l'aise du tout. En revanche, je vais le faire. En revanche, tu es volontaire. Ouais, je suis volontaire. J'ai envie d'y aller. Alors, cette année, pour les 10 ans anniversaire de Riding Zone, on t'a proposé deux défis. Et encore une fois, tu as accepté le saut pendulaire et la spéléo. Ouais. On regarde les images. D'accord. On regarde. Niveau sensation extrême, l'acteur Thomer Sisley n'est pas du genre à chômer. Salut Thomer. Bienvenue. Voilà, tu veux quoi, un peu l'axe de saut, un peu là. Il a observé les Pyrénalines et soigneusement pensé son saut. Donc la petite rampe qui te donne l'orientation du saut, vraiment. Et donc toutes les cordes sur la gauche, on voit les base ropes qui descendent sur le côté. Ouais. Et voilà, donc nous maintenant on va t'équiper. Toujours la tête froide, même à 100 mètres au-dessus du vide, Thomer répète son geste. Ouais. L'idée, c'est de partir à plat et enrouler et se retrouver à plat. Tiens, Louis, c'est peut-être une idée. Tout le monde est prêt ? 3, 2, 1. Il réalise un mouvement 100% maîtrisé, un impeccable saut périlleux avant. De quoi surprendre même les plus avertis. Une première très facile pour cet homme de l'extrême. C'est fun, c'est accessible. C'est pas un truc. C'est easy, t'as vu, c'est pas. C'est vraiment super simple, ça a pas l'air d'être dangereux. C'est charmé, moi je suis prêt à le refaire. Et ce week-end, Thomer Sisley a mis les bouchées doubles. Il est aussi parti en expédition avec sa dulcinée. On va faire un petit peu de spéléologie. Il paraît qu'il y a des animaux sauvages qui sont à l'intérieur. On m'a parlé d'un ours, notamment. Sandra, plus à l'aise dans son costume de citadine, va devoir sortir de sa zone de confort. Comme ceci, tu vois, avec l'ouverture vers toi. Et après, ça souffle plus. Ouais, on met pas le tuto noir. Non, non. Je suis avec une aventurière. Vraiment, je l'ai jamais, j'ai envie de crever. Après, tu vois, tu avances. Rien de tel qu'un petit peu de spéléo avec sa femme. Le sens du romantique un peu particulier de Thomer risque de donner du fil à retordre à notre nouvelle aventurière. Une énorme bête. Mais bon, ça c'est rien. Hein ?
Mais j'ai envie de sortir en fait. Ouais. Sous terre, Sandra craque. Heureusement, son homme est là pour la soutenir. Mon amour. Putain, j'ai la limite. Ah, et tu te dépasses, putain. Et là, t'as déjà fait la moitié. Que la moitié. On a fait que la moitié. Mais non. Mon amour. Ça, mec, tu m'as tout fermé. Ma meuf, c'est une warrior. Et une dernière épreuve l'attend. Un gouffre de plusieurs dizaines de mètres de profondeur qu'elle doit descendre en rappel. Ah, c'est charmé. C'est extraordinaire. Eh ben tu l'as fait. Mais c'est rien du tout. Ouais, c'est pas grave. Mais... J'ai bien foutu de ma gueule, hein. Je sais, mon patron est arrivé. Mais en fait, ce que je l'ai fait, quoi. Je suis hyper fière de moi. Pour les 10 ans de Riding Zone, Thomas Sisley a fait un saut pendulaire et de la spéléo. Le saut pendulaire en solo, de la spéléo en amoureux. Est-ce qu'on t'a pas organisé le week-end parfait pour un rider? C'était génial. C'était génial. Non, tu sais, quand tu fais des activités comme ça, c'est assez facile de les vivre seul. C'est beaucoup plus compliqué de trouver des copains ou une chérie pour partager ça. Et donc, ouais, la spéléo, vous m'avez fait un cadeau énorme. De faire ça avec ma petite femme. En temps normal, on ne l'aurait jamais fait. Mm-hmm. Pour tout te dire, une fois, comme je te disais tout à l'heure, le début, ce petit passage qui était un tout petit peu étroit, ben moi non plus, je n'étais pas à l'aise. Oui. Mais comme je sais que j'ai ma petite femme et qu'elle flippe mille fois plus que moi, bah, du coup, mon énergie, elle est sur elle. Tu vois, je pense à comment faire pour qu'elle se sente mieux et du coup, ouais, je ne suis pas du tout dans mon flip. En tout cas, c'était très beau de vous voir tous les deux ouais. Et ce saut en pendulaire. Et ça, c'est fat, non ? Ça, c'est juste, c'est extraordinaire parce que c'est comme le base jump que vous m'avez déjà fait faire donc, il y a 4 ans, sauf que je n'ai pas à me préoccuper de l'ouverture. Donc, je peux juste prendre le plaisir, me concentrer sur mon saut et penser à rien d'autre que me jeter et faire la figure que j'ai envie de exactement. Faire. Est-ce que tu saurais faire des donuts? Tu sais ce des donuts? Ouais, bien sûr. Ouais. Des bons petits gâteaux, des petites pâtisseries. Non, des donuts à manger, non, mais des donuts en voiture, ouais, facile. C'est pas évident pour tout le monde. Et c'est le défi qu'on a lancé au comédien Stéphane Metzger. Ah bon? Ah merde, oui. Pardon. Ah pardon, Stéphane. Non, écoute. Non, c'est dur, putain, les donuts. Non, c'est chaud. Non, Stéphane, vraiment, putain, si tu réussis ça, t'es fort parce que c'est compliqué, un donut. Hein. Je sais pas s'il va y arriver. Moi non plus. On va découvrir ensemble les images. Ah pardon. Retour en Belgique sur l'autoroute A601 abandonnée. C'est là qu'un nouveau défi attend notre prochain invité. Il va devoir se transformer en pilote d'un jour, sous l'œil attentif d'un pro-drifter. Stéphane Metzger, je viens de débarquer sur la série Cut, saison 5, diffusée sur France O. On m'a proposé quelques challenges. Rencontrons Mike, c'est ça, hein ? Eh, moi, enchanté. Donc c'est ta voiture ? Ouais, c'est ma voiture de compétition. Donc ça, c'est Nissan Silvia importée du Japon. Okay. Et donc c'est avec cette voiture qu'aujourd'hui je vais te briefer et où tu vas apprendre à faire des donuts. Alors ça va changer un petit peu tes habitudes vu qu'elle a le volant à droite. Parce que tout est identique, c'est surtout ta position qui va être décalée. Donc j'y vais. Premier essai, voilà, rentre dans la voiture. Bon bah nickel, t'as trouvé la bonne technique. Ça va, pas trop serré? Tu peux démarrer. Première prise en main pour Stéphane. Il va devoir réussir à faire des donuts sur ce spot étroit, une route fermée large de 2 voies seulement. L'objectif, ça va être que tu tournes autour de ce cône. On va commencer déjà en grip.
mon grip, pardon, c'est du coup tourner simplement avec la voiture. D'accord. Tu vas accélérer de plus en plus, on va prendre un peu plus de vitesse. Naturellement, la voiture va se mettre en glisse. D'accord. Ah, okay. C'est là qu'il va falloir que tu lâches prise. Tu vas lâcher le volant, tu vas continuer à accélérer et là, les roues vont naturellement contrebraquer. Ouais, déjà, ça va être dingue de sentir la voiture qui part comme ça si j'y arrive, quoi. On commence par une démonstration du pilote pro. Tout en souplesse, Mike contrebraque et met sa voiture en glisse autour du plot, tout en contrôlant légèrement du bout des doigts. Et nos pilotes échangent de place, le pilote d'un jour contre le pro. Je me sens super bien. Super en confiance parce que Mike m'a donné toutes les indications qu'il fallait. La voiture me paraît exceptionnelle. Est-ce que je vais y arriver ? Ça, on va voir ça. Stéphane se met doucement en roue. N'aie pas peur de mettre les gaz. Je vois pas le plot, il est où le plot ? Il a du mal à accélérer et à contrôler sa trajectoire en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'ai pris la confiance. À un moment donné, le plot, je me suis dit, non, merde. En plus, je le vois pas du côté passager. Des fois, je le vois pas. J'ai vu une barrière et j'ai dit, ah, merde. Ah merde. C'est le jeu. On va continuer? C'est comme bah, avec plaisir. Ouais, grave. Allez, c'est parti. À force de détermination, Stéphane Metzger parvient à mettre la voiture en glisse et faire un tour quasi complet autour du plot. J'ai l'impression que j'ai fait mon donut, parce que j'ai bien tourné. Le contrebraquage, t'as vite compris. Ok. J'ai senti de temps en temps les sensations de glisse. Il y a juste un peu de gestion des gaz à avoir, mais il y a une bonne base. Maintenant, j'avais dit, j'ai fait réussir. Merci mon Mike. De rien. Yes. Eh, c'est une première, hein. C'est mon début. C'est devenu une passion, donc on se retrouve l'année prochaine. De retour sur les hauteurs de Florac en compagnie de Thomas Sisley. Thomas qui a accepté de relever notre défi pour notre anniversaire, les 10 ans de Riding Zone. Merci beaucoup Thomas. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de ton actualité en ce moment? Ouais, ben je suis en tournage pas très loin d'ici, à Perpignan, donc à 3h30 de route. Génial. On tourne une série originale pour TF1, 6 épisodes. Ça sortira probablement en février. Je viens de finir un unitaire, là, toujours pour la même chaîne. Une petite comédie romantique sur fond de Conte de Noël, qui elle sera diffusée, je suppose, en décembre. Et en octobre, je pars en tournage au Maroc pour un long métrage. Thomas, merci beaucoup. Encore une fois, tu as accepté notre défi. Eh ben, merci à vous, parce que vous me permettez de faire des trucs assez dingues. Et toi, tu les acceptes, alors on adore ça. Tu reviens quand tu veux dans Riding Zone. Jamais 203. Voilà, ça marche. Pour les 20 ans. Avec plaisir. On fait ça? Avant, j'espère bien avant les 20 ans. Bon retour en tout cas et bon tournage. Ça marche, merci. À très vite. Ciao, Tiga, bye. Allez, maintenant, en attendant de recevoir notre prochain invité, le rappeur et comédien Joey Starr, je vous propose de découvrir les images d'un record réalisé en exclusivité pour Riding Zone. Direction le Lot-et-Garonne pour un nouvel exploit inédit. Salut Riding Zone! C'est ici que Jérôme Macquart, professionnel de wakeboard, va tenter de battre un record de vitesse. Son objectif, atteindre les 120 km/h, tracté par une véritable Formule 1 des mers. Alors à la base, le wakeboard, c'est vraiment pas fait pour la vitesse. C'est vraiment la difficulté de cette performance que je vais faire. Il y a le bateau et la puissance, c'est vraiment violent, quoi. Jérôme Macquart fait équipe avec Alain Delpeuch. C'est le pilote du F3000, un bateau pouvant atteindre une vitesse de pointe de 165 km/h. Son pilote, il le connaît depuis l'an dernier, il s'est entraîné toute l'année avec lui. Ils ont fait des runs de test, c'est étudié, quoi. Enfin, il n'est pas arrivé là comme ça. C'est vraiment l'aboutissement de plus d'un an de travail, quoi. L'an passé, Jérôme avait déjà établi un précédent record de 116 km/h de façon non officielle.
Désormais rodé, il est conscient des risques qu'il encourt. La moindre erreur à cette vitesse-là, ça ne pardonne pas. Le moindre clapot, que ça peut le faire chuter, et puis les chutes, s'il en prend une à cette vitesse-là, il est KO, quoi, parce que l'eau, ce n'est pas de l'eau, c'est du béton. Ce gilet peut encaisser des chocs jusqu'à 400 km/h sur l'eau. Plaque en Kevlar là, là-dedans, super embourré. Le casque, casque utilisé en compétition, en ski de vitesse, en descente. Donc c'est un casque, lui, pareil. Il peut encaisser des chocs jusqu'à 140 km/h sur la glace. Il fait quand même attention, quoi. C'est pas un fou furieux. Il dit souvent qu'il va poser le cerveau, mais il le pose qu'à moitié, quoi. C'est quand même assez réfléchi, assez étudié, tout ce qui va se passer autour. Et tout ce qu'il a mis en œuvre pour sa sécurité, c'est quand même assez étudié. Bon, il n'est pas là pour se tuer, quoi. Il est là pour battre un record. L'heure du record est arrivée, il faut mettre le bateau à l'eau. Mais malgré les précautions prises, la coque se perce. Pas question de baisser les bras, tout le monde est à l'œuvre pour régler le souci. Allez, vite, j'ai besoin d'aller à l'eau, là. Jérôme est prêt, le bateau aussi. L'année dernière, c'est plutôt une année de calage. On avait deux GPS, mais pas très performants. Donc cette année, j'ai un huissier de justice qui va valider le record. On pourra officialiser une première vitesse dans le wakeboard mondialement. Je vais me donner à 200%. C'est parti, Jérôme et son pilote s'équipent. Alain, le pilote du bateau, met les gaz. Le record semble être atteint. Jérôme ne tient plus sous la pression et il chute. Plus de peur que de mal. Il est sain et sauf. Il check son GPS et découvre que le record est battu. J'ai pas envie de me tuer, il n'y a pas les conditions pour. Le vent a commencé à se lever, Jérôme préfère en rester là. Viens là, je te fais la bise. J'ai pas de temps pour toi, allez, je suis pour toi. Sans toi, j'aurais jamais eu ce record. L'année dernière, je suis à 109, on a fait 116, mais 116, c'est trop tannu, quoi. Mais là, t'imagines, j'ai mis 10 km en plus, quoi. C'est magnifique, magnifique. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul pratiquant de wakeboard tracté par un bateau de course qui atteint cette vitesse-là. Et encore une fois, tout est permis. Je pense qu'il a les capacités pour aller chercher encore un record un peu plus. On est heureux. 127. On revient. Riding Zone, c'est la seule émission sur la TNT qui, chaque semaine, parle des sports extrêmes, de ses champions et de ses passionnés. Les sports extrêmes sont en constante évolution. Je vous propose tout de suite de découvrir les dernières innovations et les sports du futur. Si voler à la surface de l'eau ou aussi vite qu'un avion de ligne n'est plus de la science-fiction aujourd'hui, comment nos sports vont-ils évoluer à l'avenir ? Focus sur les sports extrêmes du futur. Nous sommes en 2012 à Dubaï. Se déroulent au pied des gratte-ciels les premiers championnats du monde d'une nouvelle discipline, le flyboard, une sorte de jetpack nautique relié à la turbine d'un jet ski par un long tuyau. C'est la première invention à succès du français Franky Zapata. Aujourd'hui, si je voulais vraiment décrire comment je me sens, ben, un gosse chez Toys R Us, et... sauf que mes jouets, c'est moi qui me les fabrique. Et dans cet atelier, Franky ne cesse d'inventer de nouveaux jouets. Il doit être parallèle à cette surface, normalement, la carte. Il est parallèle à cette surface. Aujourd'hui, il supervise les réglages de son dernier bébé, le Flyboard Air. Cet engin du futur présente de beaux atouts. Une autonomie de 10 minutes, une vitesse maximum de 150 km/h et surtout, la possibilité de voler à plus de 3000 mètres d'altitude. Quand tu sautes, que tu fais un gros trick en ski ou en snowboard, c'est un moment où hop, t'es un peu en lévitation. Et moi, ce moment qui dure normalement quelques centièmes de seconde, ben moi, je suis 6 minutes comme ça. Cet engin de l'extrême n'est pas encore en vente, mais on peut imaginer sans peine les possibilités qu'il offre en termes de loisirs. Toujours plus haut, aussi haut qu'un A380, les Jetman.
propulsé dans les airs, c'est un véritable avion miniature que Yves Rossi porte sur le dos. Son invention, composée de deux ailes en carbone, de quatre réacteurs et d'un parachute plié, lui permet de voler à 300 km/h. Retour à des disciplines plus traditionnelles, mais en pleine évolution grâce au foil. Une technologie qui a fait son apparition il y a longtemps, mais qui évolue à vitesse grand V depuis quelques années. Le foil dans la planche, un emboîtement tout simple. L'avantage de cette aile portante sous-marine est d'aller plus vite, quelle que soit la force de la houle et du vent. Sur le dessus, il y a une dépression qui se crée due à la forme du profil, la forme plutôt bombée sur le dessus. Et c'est ce différentiel de pression qui va aspirer l'aile vers le haut et donc créer la portance. Ce qui a permis au jeune Hawaïen Kaileni de surfer sur plus de 5 km d'affilée ou même de passer de vague en vague. Le fait de pouvoir surfer deux vagues d'affilée sans avoir à ramer entre les deux est l'une des sensations les plus incroyables que j'ai jamais ressenties. Nous sommes en Californie, à quelques centaines de kilomètres de l'océan. Et pourtant, aujourd'hui, Flume, la star de la musique électronique, vient surfer. Je surfe depuis tout petit. Et je dois dire que cette vague ne ressemble à rien de ce que j'ai vu auparavant. C'est incroyable. Cette vague artificielle est le fruit de longues années de recherche menées par une équipe de scientifiques et dirigée par la légende du surf, le multiple champion du monde Kelly Slater. C'est en quelque sorte sa piscine, avec des vagues pouvant atteindre les 2 mètres de haut. Selon les rumeurs, ce système révolutionnaire de piscine à vagues sera probablement retenu pour les prochains JO de Tokyo. Bref, on n'a pas fini d'en entendre parler. Vas-y, fais chier, bordel. Oh là là là. Allez, là, je suis en tension, là, ça y est. Ouais, approche-toi du bord. Pour l'instant, t'as le droit d'utiliser les rouges, après, il faut plus les toucher. Vas-y. Ça roule. On y va. Allez. Notre invité, celui qui est en train de nous rejoindre en tyrolienne, c'est le rappeur, producteur et comédien, acteur. Je suis en train de me chier dessus là. Joey Starr qui apparemment a très très peur. Joey Starr, il a commencé sa carrière dans les années 1990 avec un duo avec Kool Shen. Le groupe s'appelle NTN. Joey, bienvenue. Ouais, c'est ça, arrête tes conneries, bordel. En tout cas, entre-temps, pour finir ta présentation, Joey, aujourd'hui, tu te consacres un petit peu plus au cinéma, n'est-ce pas? Et tu as d'ailleurs été nommé deux fois au César. Allez, t'enlèves la longe. T'inquiète, mon petit gars. Donc là, je peux commencer ou pas, non? Sois bien, je te laisse arriver. C'est quoi, j'enlève ma longe? Je sais pas ce que c'est, moi, une longe. Ouais, on n'est pas tranquille. Mais pourquoi tu me laisses au-dessus du vide? Il va te ramener. Bon, les gars, je vous laisse prendre vos marques, ça n'a pas l'air très facile. Enfin, ça va, vous vous sentez bien ou... Ouais, mais nous, on t'attend. Ça va, tranquille. En tout cas, tout de suite, on repart dans l'action dans Riding Zone. Place à notre rétrospective sur 10 ans d'exploits réalisés sur Terre. Des montagnes enneigées aux rampes gigantesques des X Games, voici un florilège des meilleurs exploits réalisés à travers le monde. Ces images ne sont pas tirées de films d'action, ce sont bel et bien de véritables performances réalisées par les athlètes des sports extrêmes. Retour sur 10 ans d'exploits d'anthologie, sans effets spéciaux et sans trucage. Et pour entrer dans l'histoire... La bonne vieille Tour Eiffel! Peut-on rêver mieux que de se jeter en roller de la Tour Eiffel? J'ose même pas regarder en bas parce que je sais que dès que je vais regarder, ça va être un truc de fou. En 2010, Tae Kris s'élance du premier étage de la Dame de Fer. 40 mètres de haut pour 12 mètres de chute libre avant de replaquer sur une demi-rampe géante. Il établit un nouveau record. Toujours plus haut. À Las Vegas, du haut de la réplique de l'Arc de Triomphe, Robbie Madison réalise un saut à l'aveugle de 29 mètres de haut. Il s'en sort avec un poignet cassé sous le choc de la réception. Autre légende, autre exploit historique. Pour fêter la nouvelle année, la star des sports mécaniques Travis Pastrana traverse la baie de Long Beach grâce à un saut de 82 mètres de long en voiture. Mais pas forcément besoin d'un moteur pour s'envoyer en l'air.
La légende du ski Candide Tovex a déployé tout son talent et sa créativité à travers ses vidéos pour faire le buzz sur YouTube. Et côté figure acrobatique, c'est la surenchère. Attention, ça fait tourner la tête. En 2012, Mark McMorris plaque le tout premier triple corde de l'histoire en compétition. En 2013, le jeune skater Michy Brusco se satellise et réalise un 1080, soit trois tours complets sur lui-même. Et en 2015, c'est Jed Milton qui se met en tête de réaliser un quadruple backflip, soit quatre rotations arrière d'affilée sur son BMX. Et en terrain naturel, ce que l'on appelle les freeriders ne sont pas en reste. La rampage, c'est hyper élitiste. T'as une face, tu fais ce que tu veux, quoi. Tu peux te prendre la balade de Pimpin sur le côté, le long des crêtes, ou alors tu pètes un plomb et tu y vas tout droit. Chaque année, l'élite du VTT mondial s'affronte sur les falaises de l'Utah aux États-Unis. L'objectif, réaliser la descente la plus engagée. Comme ici, Kelly McGarry en 2013, qui réalise un backflip incroyable de 21 mètres de long. Il s'est fait arrêter. En skateboard, l'exploit le plus mémorable de ces dernières années était réalisé à Lyon, en France. Le skateur californien Aaron Omoki a sauté au-dessus de ses 25 marches. On enchaîne avec le summum de l'engagement. Du haut de ces montagnes, Cody Townsend s'embarque dans un couloir pour un ride hallucinant. On termine avec ces quelques images du français Xavier Delerue en Alaska qui dévale l'une des faces les plus raides du monde. Acteur Joe Star et son fils Khalil sont avec nous. Ils m'ont rejoint là sur le SpaceNet. Les garçons, soyez les bienvenus. Merci d'être là. Joe, dans Riding Zone, on aime beaucoup mettre en avant des pionniers, des précurseurs. Est-ce que si je fais le parallèle avec ta carrière, vas-y. Est-ce qu'au départ, tu t'es senti aussi un petit peu mise à l'écart ou un peu comme un marginal? Je pense qu'on a été des pionniers parce qu'on cherchait une manière de... un mode d'expression qui soit à part. Enfin, c'est peut-être, je pense que c'est plutôt lui qui nous a trouvé en fait. La rue a su me prendre car elle me faisait confiance. Jusqu'y avec mon père était comme de la nuisance. On avait envie d'un mode d'expression qui nous ressemble, donc le graffiti, le rap, et puis surtout quelque chose qui nous fasse un peu, qui nous transcende quoi. Aujourd'hui, tu cherches encore à défricher de nouveaux territoires, par exemple le théâtre, avec Éloquence à l'Assemblée. Récemment, tu as fait un carton. Est-ce que tu peux nous en parler? Bah pareil, hein, donc quand ça a assemblé le théâtre, c'est un peu lui qui m'est tombé dessus, quoi. C'est Jérémy Lipman et Pierre Grillet. C'est Grillet d'abord, Pierre Grillet qui au départ revisitait des auteurs qui étaient aussi qui avaient des hauts postes, voilà. Et comment ils m'ont dit ça quand je les ai rencontrés la première fois, ils m'ont dit ouais, on cherche un tribun, voilà, quelqu'un qui a de la tripe. Ouais. Et ben voilà. C'était voilà, nouveau ça, c'est, pour donc, toi. Comme une fois, oui, c'est la première fois. On m'avait déjà fait des propositions pour le théâtre, mais les textes étaient tellement balèzes, enfin ça m'a tellement parlé que j'ai pas pensé après à me dire mais c'est quand j'ai accepté, j'ai pas pensé que ce serait un seul en scène. Je le savais, mais j'ai mis ce truc de côté. Donc c'était assez étrange. Et puis quand on s'est mis à répéter, je me suis dit ah ouais quand même. Bah, un peu comme ici là, avant de sauter, j'étais là, c'est cool. Et puis au moment de sauter, bah, les miquettes. Justement, voilà. J'allais en venir dans Riding Zone. Nous aussi, on a voulu te mettre en scène. Tu as accepté ce défi. Est-ce qu'on y allait un peu fort ou... Non, mais c'est pas forcément vous. Non, j'étais sûr, super bien accueilli par les pierres à feu, ouais, les pierres à ligne. Non, j'étais super bien accueilli. C'est juste les petits cons comme Mathias Dandois et autres derrière. Enfin voilà quoi. Là, puis en plus j'ai Tomer qui m'a tenu la main, Tomer Sisley. Donc c'était plutôt cool. Mais je suis sujet au vertige depuis peu. Et là j'avais vraiment les miquettes. Là. Comme là, je suis pas très tranquille. Là, je suis même très à l'aise, mais. Voilà. Ouais. On va regarder tout de suite les images de ton exploit. Ouais. Magnéto. Cherche pas de rapport dans le comprendre. J'arrive. Y'a un truc dans l'air, ça sent le sang. J'arrive. Y'a une guerre qui se prépare, l'adrénaline est mon phare. J'arrive. Jaguar, un carat, Joestar. J'arrive.
Bon alors qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça va, ouais, ça va super. Ouais. T'as sauté? J'ai les miquettes à mort, mais ça va super. C'est pour ça, écoute bien ce qu'on te dit. Ouais. Voilà. J'ai l'habitude de faire ce qu'on me dit en plus. Qu'il faut que je te fasse le tampon. On bat les os et vite fait te finir en réchaud. Ce sera du travail bien fait, y'aura pas photo. On est déjà fait, tu finiras sur le dos. Ok, allez, on va te faire un peu ça. Commence à monter là un peu. La petite boule dans le ventre. Non, mais toi, je te trouve bien serein encore. Ouais. Ah, carrément. Bah écoute, moi je suis un mec résigné. Hein. C'est Tomer qui va un peu t'assister. D'accord. Oui, j'ai demandé à être poussé, ouais. Voilà. Tu fais un joli décompte tous ensemble. 3, 2, 1. Mais non, mais tu me pousses avant. Puis il te pousse. Puis quoi encore? Ok. Ça, c'est tout, c'est tout, tout bon pour pas y aller, ça. C'est ça. j'y vais, alors. Allez, on va pas trop te faire languir. C'est une chute de combien, là, que je vais faire? 80 mètres. 80, allez, vas-y, on y va. Allez. Mesdames, mesdames, messieurs, celui qu'on va cuire maintenant, il mesure 1m80. 83 kilos. Ah putain, ouais. Pff. Oui. Ouais, c'est moi. Bon saut. Mais ta gueule, eh, viens, viens, viens. Ça monte. Là, ça monte, ouais. Là. Là, ça monte, là. Là, ça brûle, là. On va l'accueillir comme il mérite, comme il se doit. Mesdames, mesdames, messieurs, tout le monde debout et tout le monde tape dans les mains pour accueillir celui qui vient du 93. Joé, Joé. Attends. Mets-toi un peu plus dans le vide, Loïc, toi. Voilà. C'est quand on veut. Voilà, faut juste qu'il se rapproche un peu encore. Attends. Et on lance le décompte. Ah putain. Avance un peu. Encore un peu. Encore. Allez, on compte. 1, 2, 3. Ah, fils de p***. Bien joué. Putain, t'es mort. Hey, t'as vu comment j'ai eu les miquettes? Il y a des couilles, il l'a fait. Ah ouais, quand même. Hein. Ça y est, c'est fini. Eh, mais je pensais qu'on tombait plus bas. Dis bonjour, mauvais garçon. Dis bonjour, mauvais garçon. Bonjour mauvais garçon, flamme dans mon iris, brûle sous mes lyrics. Dis bonjour mauvais garçon, dis bonjour mauvais garçon. Dis bonjour mauvais garçon, flamme dans mon iris, brûle sous mes lyrics. Mauvais garçon. Il a surmonté sa peur, vraiment, tu sais quoi, ça a plus de mérite. Les mecs qui flippent vraiment et qui y vont, ça a plus de mérite que ceux qui ont l'habitude, tu vois. Et, vraiment bravo, tu m'as impressionné, bravo. C'est éclaté en montagne. Ouais. Écoute, ça réveille. Non, ce qui réveille, c'est quand t'es en haut, en fait, au moment de sauter. Et là, tu te demandes ce que tu fous là. C'est exactement la sensation que j'ai eue à chaque fois quand j'ai fait du parachute, machin. Hein. C'est pourquoi faire, pourquoi je fais ça. C'est pas humain, quoi, de sauter dans le vide, quoi. Ah non, c'est pas naturel. Hein. C'est pas naturel, je veux dire, humain. T'as compris, quoi. D'accord. Tu l'as fait. Ouais, je l'ai fait. C'était charmé. Bravo, mec. Merci, messieurs. Ça t'a pas dérangé que je te jette un 1. Mais c'est moi qui t'ai dit. C'était trop long, tout ça. C'était trop long. Allez, on compte. 1, 2, 3. Et en fait, il m'a poussé parce que je lui ai dit, arrête de compter, ça m'énerve. Donc, tac, il m'a poussé. Et tu sais quoi, j'ai vu le décor faire ouf. Tac. Ça fait en mode comme et, ça. Quoi, et au moment où t'arrives, tu t'arrêtes. Joé Star a testé le saut pendulaire dans Riding Zone pour notre anniversaire des 10 ans. Bravo. Merci. Chapeau. Ça t'applaudit pas, toi? Ah oui, Khalil, il était très fier de toi. Bon, ouais. Alors, Joé, tes impressions, tes sensations, comment tu t'es senti? Est-ce que tu m'aimes toujours? Est-ce que je t'aime toujours? Mais d'un amour pas à l'antirouille, t'inquiète. Non, mais c'est surtout que, en fait, le vrai truc, c'est de passer le pas, quoi. C'est-à-dire, comme il me disait, se mettre off.
et puis faire le pas. Moi, je savais que j'allais pas réussir à sauter, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Tomer de me pousser. Voilà. Et c'est complètement naturel, quoi. Enfin, sauter dans le vide, c'est pas du tout naturel pour nous. Donc je crois que le plus dur, c'est ça. Et après, la sensation, elle est juste magique, quoi. Enfin, voilà. Encore. Allez, on compte. Est-ce que tu le referais, tu ressauterais? Je pense que ouais, mais c'est comme pour le parachute, tout dépend du site en fait. Si tu me demandes de le faire la tour Montparnasse, c'est sûr j'aurais pas envie de le faire. Mais par contre, voilà quoi, c'est juste magnifique, on a un panorama magnifique. Donc ouais, je le referais sûrement, ouais. En tout cas, on remercie les Pyrénalines, toute ton équipe. Hein. Ouais. Big up aux Pyrénalines. Bah, c'est vous qui avez installé ce site, cette rampe de lancement pour tous ceux qui ont accepté aujourd'hui de faire le saut pendulaire. Alors à vous aussi, on vous a proposé de vous éclater. Évidemment, vous y êtes allé à fond, en mode freestyle. Voici les images. Ces acrobates du vide, le public de Riding Zone les connaît bien. Nous n'en sommes pas à notre première aventure ensemble. On aime bien les mix de disciplines, donc on va s'amuser à faire du saut pendulaire en ski ou en snow. C'est normal que j'ai encore un peu de stress. Joli, je suis fier de toi mon petit Mathias. Merci, c'est grâce à vous les gars. Pour nos 10 ans, nous avons formé un partenariat exceptionnel avec eux. Nous leur avons demandé d'équiper le site de l'émission et pendant des semaines, les Pyrénalines ont travaillé dur pour fabriquer le plateau télé et le saut pendulaire. Mais ce qui leur a surtout donné beaucoup de plaisir, c'est de faire sauter nos invités de prestige. Par procuration, ils ont revécu leur premier saut. C'est sûr que les premiers sauts, on compte quoi, le cerveau imprime pas ce qui se passe, tandis que voilà, plus on pratique régulièrement, on commence à savoir où on en est. Avec l'expérience, on sait que même s'il y a de l'appréhension avant, même s'il y a le ventre est noué, on sait qu'il faut juste prendre la décision d'y aller, se concentrer sur le saut, et qu'au bout de quelques secondes, c'est déjà une décharge d'adrénaline et de joie, et on n'a qu'une envie, c'est de remonter et de ressauter. Et ils ne se sont pas privés. Ils ont même innové pour l'occasion avec une rampe de lancement pour sauter dans le vide. Comme on savait que la falaise était petite et que la casquette s'y prêtait vraiment bien, qu'il y avait une belle plateforme plate, on s'est dit on va fabriquer une rampe pour faire des sauts encore un peu plus osés, entre guillemets. Alors double front flip, facile. Tu pars en boule, puis tendu, et après, tu ouvres. Avant et pendant l'émission, entre deux invités, ils s'en sont donnés à cœur joie. Allez, bon anniversaire à Riding Zone. Grab yourself a beverage, a hop if you wanna just bounce to my leverage. The evidence, as they say, is in the pudding. So show me the money like my name is Cuba Gooding. It ain't fool's gold, it's gold, fool. Can't stop, won't stop, keeping it old school. Big spoon is my nom de plume. I keep it popping like a needle in a new balloon. And if you don't know by now, then you need more schooling. Let loose, kid, get stupid. Got more flavor than I know what to do. It's to get your hands up if you're part of the mood. I've been away. Impressionnant. Ah bah te voilà vieille branche. Eh bah oui, j'arrive mec. Putain, quelle vue vous avez. T'as vu ça? Tu sais quoi, vous allez avoir du mal à y croire, mais j'ai le vertige. Khalil, le jeune Khalil, le fils de Joey Star, vient de nous quitter et il a été remplacé par Ty Chris, la légende du roller, celui que vous connaissez probablement parce qu'il a sauté de la Tour Eiffel. Taïk, bienvenue. Ben bah merci, quel cadre incroyable. Alors là, c'est bon, j'ai plus trop le vertige, mais c'est ça, fou, ouais. C'est magnifique. Bouge pas trop, Joey, ouais, quand même. Moi, je fais le malin, mais je remets pas.
Je sais que ça paraît un peu bizarre de le dire, mais j'ai jamais été vraiment à l'aise au-dessus du vide. Après, j'ai toujours eu l'habitude de contrôler mes peurs, et quand faut y aller. Donc, mais c'est sûr que là, je fais pas le malin. Taïk, t'es en train de nous dire que t'as peur du vide. On a du mal à te croire parce que tu repousses tout le temps tes limites. Tu l'as prouvé plusieurs fois pour que les gens se rendent compte du phénomène que tu es. Voici la preuve en images. Taïk Riss, c'est le caméléon de l'extrême. Aux quatre coins du monde, il s'est frotté à des sports méconnus. Peu importe le défi qu'on lui met sous le nez, il fonce. L'aventure démarre et elle promet d'être juste magnifique. Chaque fois, il s'est imprégné de ces disciplines lointaines et parfois improbables au contact de ceux qui les pratiquent. De la lucha libre mexicaine avec ses fameux masques, à la lutte traditionnelle sénégalaise, en passant par la chasse sous-marine ou les courses de buffles en Indonésie. Laisse tomber comme c'est super chaud. Si ça se passe mal, ça peut très très mal se passer. Ici, en Uruguay, il s'essaie au rodéo. Partout, il a le don de se mettre dans des situations dangereuses avec l'aide de ceux qui l'accueillent. Il y a des piranhas ici. Ah ouais, carrément. Ouais, quand ça tient, ça fait des trous. Ça. Mais surtout, il a réussi à surmonter cette fameuse peur du vide qui le tiraille encore aujourd'hui. Direction l'Utah. Pour l'émission Ligne de vie, Taïk s'essaie à la Highline avec le champion Andy Lewis. Il ne dispose que de quelques jours pour maîtriser la technique. Les ratés sont inévitables, mais Taïk ne se décourage pas. Loin de là, il persévère et finit par assimiler l'équilibre, les gestes, la posture qui lui permettront peut-être de traverser le canyon. Un vrai exploit quand on sait que quelques jours plus tôt, il débutait encore. Taïk progresse et parvient finalement au bout de la Highline, 13 mètres plus loin, à plus de 60 mètres au-dessus du vide. Taïk, un homme de défi. De retour dans le parc national des Cévennes, entre deux falaises, sur le Space Net, toujours en compagnie de Taïk Riss et de Joey Star. Les garçons, toujours à l'aise? Ça va, pour l'instant, tant qu'on bouge pas. Vous bougez plus, en tout cas, vous êtes calés tous les deux. Taïk, on vient de voir des extraits de ton film Ligne de vie. Tu es un véritable autodidacte. Tu as tout appris tout seul. Est-ce que tu peux me raconter ton déclic déjà à la base avec le roller? Non, avec le roller, c'était avant tout une passion. J'ai commencé en tant que gamin au Trocadéro à l'âge de 5 ans. Et c'est vrai qu'en grandissant, je me suis dit, j'ai envie d'en faire un métier, en tout cas de faire des compètes, etc. Donc je suis parti en mission à faire ça nuit et jour. Et j'ai eu la chance de devenir professionnel, pour le coup, et d'en vivre quasiment pendant 20 ans. Et après, une fois que j'ai goûté à toute cette adrénaline, j'ai commencé à vouloir essayer d'autres choses, comme justement sur Ligne de vie, où j'ai challengé à essayer de marcher sur un fil avec 300 mètres de vide, comme ça, en 5 jours. C'était psychologiquement impensable. Est-ce que Joey, on peut dire que toi aussi t'es autodidacte? Ouais, si, je suis autodidacte, je connais cette valeur, c'est tout ou rien, quoi. C'est-à-dire que si ça s'arrête, voilà, quoi, faut savoir rebondir comme monsieur l'a fait, quoi. Mmh. C'est aussi ça, être autodidacte. Et c'est pas juste faire les choses par soi-même, c'est aussi prendre conscience que le jour où ça s'arrête, il faut aussi savoir rebondir, quoi, parce qu'on sait faire que ça. Il m'est arrivé tellement de fois d'avoir la jambe cassée, d'être sur le lit d'hôpital où justement les sponsors m'avaient lâché, où j'arrivais plus à être au top, où justement il a fallu que je me réinvente. Même dernièrement, il y a 4 ans en arrière, quand j'ai créé par exemple ma boîte là de télécom, finalement ça a démarré d'un accident où justement ma vie était en train de s'effondrer à ce moment-là. Joey, pour faire un parallèle, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire un concert dans de très mauvaises conditions, un peu comme un sportif qui se blesse et qui doit terminer une compète ou... Une fois, il pleuvait, mais c'était juste pas possible sur un truc en plein air. Et puis, du coup, il y a un générateur qui saute et puis on se retrouve comme des cons. Mais au bout de... Enfin, c'est déjà arrivé, le truc, tu rentres sur scène, puis nous, on rentre de manière très explosive, et puis tout saute. Puis rien, tac. Et puis les gens comprennent pas, ils s'en foutent, quoi. Ils ont payé leur place. Les gens, le premier réflexe, c'est de siffler, c'est de machin, c'est de tac. Donc on n'aime pas ça, quoi. C'est-à-dire, à ce moment-là... Donc, mais oui, ça arrive, ouais, à tout le monde. Ok, les garçons, on reste ensemble sur le Space Net. Vous avez pris vos marques, vous êtes bien. On va nous amener un petit thé à la menthe, là, d'une minute à l'autre. Tout de suite dans Riding Zone, on repart dans l'action. Ils sont skieurs et ils ont décidé de ne pas s'arrêter, quelle que soit la saison. Sans neige pendant l'été, ils décident de skier les cailloux. Voici les images. Attention, la séquence que vous allez voir n'est pas à prendre au sérieux. Dans Riding Zone, on aime s'amuser, on demande régulièrement aux riders de créer pour nous de nouvelles disciplines insolites, mais pas forcément sans danger. Allez les gars, vous avez choisi le meilleur pour devenir les meilleurs.
On est sur le bon chemin pour l'instant. Eh hey Matt, tu l'as trouvé où ce guignol de coach là? Il a entraîné les meilleurs. Ah les meilleurs, y'a pas de meilleurs. Tu connais rien au ski. Ouais. Y'a que comme ça qu'on devient skieur de cailloux, ok? Cette drôle d'équipe va donc tester le ski sur cailloux, ou plus exactement, le ski sur les majestueux pierriers situés à proximité de Tignes en Savoie. Et pour cet entraînement délirant d'un sport qui n'existe pas, Mathieu et Cédric, alias Champion et Comète, vont être coachés par Enac Gavaggio, ancien champion de ski cross, bien connu pour son personnage de Rancho. Départ dans 2 minutes. Coach ? Quoi encore ? Je me suis fait un peu mal, je crois que je peux arrêter la séance. Là. Ma faute là, si t'es tombé ? Non. Bon alors, tu veux que je te passe du mercure au chrome ? Non. Wow ! Tu te relèves et tu termines ! C'est pas comme ça qu'on va arriver aux Jeux Olympiques. Bon, si tu veux aller vite, y'a pas à chier, faut des skis bien préparés. On a bien skié là, c'était top. Hein. Je vais être fier. Oh, regarde, on dirait les affaires du coach. Il est où le coach? Il a tout laissé, regarde. Ah ouais, regarde. Bon, l'attends là, le coach. Ah bah ouais. Il va bien. Hein. Il va bien revenir. Garçon, j'ai une question pour tous les deux. Joey, d'abord, ça a eu l'air de te plaire. J'ai l'impression que ça t'a plu, ce saut pendulaire. Est-ce que tu as d'autres envies, des nouveaux défis que tu aimerais réaliser prochainement avec ou sans Riding Zone? Eh bien, tu sais quoi, je vais vous dire non. Comme ça, ça va... comme ça, on va éviter tous les dingues qui vont m'appeler pour faire ça et ça. Ça va m'éviter de me ridiculiser devant la France entière. Mais non, j'aime bien transpirer, j'aime bien avoir peur. Donc, il se peut que. Maintenant, quand tu me demander quoi exactement, je ne sais pas. Je suis sûre que vous n'avez pas envie de me quitter. On se voit un peu à Paris, mais c'était gentil. On se recroise sur la terre ferme. Il y a Polo, qui est donc des Pyrénalines, qui est là pour votre sécurité, qui va vous réattacher et vous renvoyer, retrouver toi, ton fils, et toi, Taïg, mon speed, mes occupations. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai pas de boulot. Après, je vais avec mon fils. Bah oui. Je vais chez Pôle emploi. Les garçons, bonne rentrée à tous les deux. Merci à tous les deux. Et on était très heureux, vous êtes deux très beaux cadeaux pour Riding Zone. Ben merci. Bon, tu te dépêches, Paul-Antoine. Cadreur, monteur, journaliste, régisseur, râleur, bosseur, pitre et surtout passionné, je remercie et félicite tous mes collègues, la fabuleuse équipe qui travaille à la production de Riding Zone. Avant de se quitter, je voulais vous présenter le producteur de Riding Zone, notre papa, le créateur de l'émission, celui qui, il y a 10 ans, a réussi le pari de faire de sa passion une émission de qualité. Jonathan Politure, big up à toi et à vous tous. Très bon ride. À bientôt sur France O. Oh.